Regarde-moi cette jeunesse France, Vincent. C'est l'avenir du pays. Bon, rentrée pluvieuse, mais rentrée heureuse et rentrée studieuse. On va tout de suite aller voir quels camarades aimeriez-vous avoir à vos côtés tout au long de l'année et vos attentes en termes de rap. On y va tout de suite ? On y va tout de suite, bien sûr. La rentrée, c'est dur ou pas ? Ah ouais, je suis déscolarisé. Est-ce que t'as acheté la gomme à moitié rose, à moitié bleue ? Ouais, je l'ai acheté, mais elle sert à rien. Il suffit de la sucer, si tu la suces, t'es défoncé après. C'est un petit tip que je te donne. Pour le moment, on est à la maison. Permet de se branler, puis de jouer à Fortnite, pourquoi pas. Dans votre classe cette année, qui aimeriez-vous avoir comme petit camarade ? En admettant qu'il soit dans le rap game. Vraiment, votre acolyte. Toujours à côté de vous. Attends, laisse-moi finir. Ah ouais. Ce serait qui ? Booba. Booba ? Ouais, y a moyen de rigoler. Et toi, ce serait qui ? Ah, moi, Jul. Jul ? Ah ouais, il a l'air trop sympa. Gizmo. Ouais, t'aimes bien la bière ? Béa Uzi. C'est vrai qu'il doit être incroyable, extrêmement drôle. Bien sûr. Et talentueux. Très fort. Frais ? Frais. Si dans votre classe il y avait Béa Uzi, ce serait quel genre de profil ? Au fond de la classe, exactement. Ils sont là, bien d'accord. Mais. Un peu dans son coin, voilà. Et il parle à personne. Je dirais Hamza. Putain, mais oui, excellent. Un Polak, un PLK. Ouais. Non, c'est vrai, je pense qu'il peut assurer des arrières. Pas une façon de parler. Après, je pense qu'à côté de ça, il doit être bien. Vous êtes en train de dire exactement la même chose au même moment, j'adore ouais, ça. Ouais, c'est ça, frère, vous êtes frère. Ouais, jumeaux, on est jumeaux. Cite-moi un rappeur que t'aimerais avoir avec toi au quotidien. La Foune. La Foune. Ouais. Très actif en ce moment. Qui serait le cancre, le plus gros cancre de la classe ? Hess l'enfoiré. Ou Kobaladé, ouais. Kobaladé. Kobaladé, frère. Kobaladé. Mais Koba en cancre ? Koba ouais, fort. Ça, je crois, c'est Koba. Hein. Sinon, Koba, bah. Kobaladé, ouais. Tout le monde dit Kobaladé le pauvre. Parce qu'il fume, mais il a le droit de rouler des gens dans le fond de la classe. Il a le droit, putain, c'est pour la récréation. C'est comme un goûter pour lui. Qui serait le cancre de votre classe ? Gâteau. Trop débile. Ah, un enculé de première, quoi, qui harcèle scolairement les élèves. Ah, Booba, ouais. Booba, mais c'est harceleur, Booba. Ouais, Booba, Booba, ouais, franchement, ouais. Il cherche la merde avec tout le monde. Et il est taquin, cop. Booba ? Il a 42 ans. Ouais, mais bon, il a 42 ans, mais. Booba ? Ouais, Booba, ouais. Booba ? Ouais, Booba, sûr. Booba, sûr. Booba, non. Ouais, Booba, Booba, Booba. Ok, Booba. Ils ont des sucettes. Fait bader. Qui serait le faillot ? Vraiment celui qui se met au premier rang, qui note tous les cours. Kerry James. Fait un bon daron sur les bancs de la fac, ouais. Fait un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Enfin bon, un premier de la classe. Joker, je pense. Hein. Ouais, oh non, 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 oh non. Je mets Damso. Oui, oui, tout à fait, le philosophe. T'as vu, lui, il va toujours un peu dans des idées. Julien, pédophile. Allez, prends soin. Bonjour. Kalash Criminel, c'est pour moi l'artiste qui a le plus de... Oh là, oh là, oh là. C'est pas pour faire cliché, mais un Romo Elvis, un... Ah ouais, genre... Moi, j'aimerais bien avoir sa sœur juste à côté de moi. Cours d'SVT, Tommy disséqué. Exactement, genre SVT. Est-ce qu'il y a une rappeuse que vous aimeriez avoir dans votre classe ? Sheila. Je peux le sentir, tu es tout excité. Ok. Moi, je m'assois à côté de Shai, sûr. Et tout le monde, c'est Shai. Tout le monde, c'est Shai. Ou Aya, j'avoue, Aya. Bah après il y a Nakamura en soirée, tu vois, ça passe tout ça. Aya Nakamura. Là t'as Nakamura, non, j'ai dit non. Il a fait une Nico. Il a fait une Nico, c'est les gars, Yoka Nakamura. On était là, on parlait avec des gens, on a croisé KB, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Ça va tranquillement. Quel rappeur serait là juste pour gérer des meufs ? On peut pas étudier, il est là vraiment juste pour b. Ah bah c'est tonton Niska hein. C'est tonton Niska, ça c'est Niska hein. Alors, oh, c'est Charo. Franchement Niska il mettrait tout le monde bien, même la prof. La prof, la surveillante. Dinigno il va se mettre à côté des meufs tout le temps. Banks, Banks. Banks. Al Capote peut-être, quand on regarde Radio Sex, il a un petit passé. Mais baiser des mortes. Est-ce que vous attendez quelque chose pour cette année en termes de rap ? J'attends C-Boy et Damso. Zola avec Kobaladé, ça aide bien. Voilà, ouais, voilà, ça me parle. Peaceful, peaceful. Parce qu'il y a des choses qui te font vraiment bander quoi. L'album de Cop. Hein. Ah, il a dit 2020. C'est loin, mais bon, on l'attend quand même. Larry, je sais pas si vous voyez. Bien sûr, Larry, Larry, So Good, No Love. Et attention, il y aura l'album de Kalash Krimi qui arrive là. Moi, j'attends SCH. Oh, SCH. Quoi ? Ouais, il est là. Là. Oui ? Non, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a des paroles, il y a des trucs, tu vois. Quand il y a des paroles, mais SCH, c'est un lyriciste incroyable. Et toi, t'attends des trucs ou pas ? Non, pas spécialement, je suis en branle complètement. Ouais, le rappeur. On est là, Badal c'est Paris, si c'est Bandal. Merci beaucoup Bidal, à la prochaine. Merci, ça plaît Bidal. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué.